Manger local, en été, quand on habite dans une région de production maraîchère, c'est un défi qui est assez facile à relever. Mais sous certaines latitudes, même pendant la belle saison, les récoltes sont maigres. Voilà pourquoi la solidarité et l'ingéniosité peuvent aider à remplir le panier d'épicerie. Cultiver des tomates en serre ou des choux comme le chou kale ou encore des oignons en champ n'a rien de bien extraordinaire. Sauf quand on le fait ici, à Longue-Pointe de Mingan, en pleine côte nord, dans un océan d'épinettes. Nous sommes vers le 50e parallèle, presque au niveau de la baie de James. Il ne doit pas avoir d'équivalent de jardin, de produits, de production maraîchère diversifiée plus à l'est et plus au nord que nous autres. À notre connaissance, en tout cas, on serait heureux de découvrir s'il y en a un de caché encore plus au nord. La ferme s'appelle le Grenier Boréal, une coopérative de solidarité fondée en 2013. Le sol ici n'est vraiment pas fait pour l'agriculture. C'est une mince couche d'humus sur un lit de sable, lui-même reposant sur du tuf imperméable. Le sol ressemble, c'est des grosses galettes, c'est dur comme la roche, là. C'est juste ça sur 4, 5, 6 pieds par endroit, là. Fait que y a aucune racine qui peut pénétrer là, un sol comme ça. Puis des fois, on a juste un 6 pouces de sol, de sable, de forêt, là. Fait que l'idée, ça a été vraiment de venir le casser mécaniquement avec une pelle mécanique pour ensuite reprendre tout le végétal puis le remettre par-dessus. L'autre obstacle de taille, c'est le vent. Ces grands tunnels ont été emportés par la bourrasque, un coup dur qui ne s'oublie pas. Ça a déjà arraché carrément, là. Puis on attache nos tomates puis nos cocombes normalement à la structure du tunnel. Fait que si ton tunnel part, bien, c'est toute ta récolte qui s'en va. C'est un peu décourageant. Hein. Depuis, les tunnels ont été déplacés plus bas, dans un champ bien entouré d'arbres. Autre problème, les engrais. Il n'y a pas d'élevage aux alentours, alors on doit se débrouiller avec les moyens du bord, les copeaux de bois, par exemple, ou même des produits de la mer. Les algues ici, c'est possible, c'est une belle ressource. On peut aller prendre des algues sur le bord de la mer, fertiliser avec ça. Traditionnellement, les gens, ils faisaient du guama, ça fait que c'est un algue fermenté, dessalé, puis dessablé par l'eau. En plus des légumes courants, la coopérative teste des cultures plus rares, mais rustiques, comme ces ronces arctiques, par exemple. Ou ces fraises blanchâtres qui goûtent l'ananas quand elles sont bien mûres. C'est une plante qui est un excellent couvre-sol. Nous, on est en train actuellement de faire un test, là, à savoir si on ne met pas des arbustes fruitiers. C'est une deuxième strate avec un couvre-sol qui donne des fruits. Cette deuxième strate est elle aussi rustique, bien sûr. C'est la camerise, un autre essai. Là, on voulait étaler, avoir un fruit qui arrive avant la fraise. Fait que la camerise, c'est un des plus hâtifs. Ensuite, il y a la fraise, puis on a implanté aussi cette année une framboisière pour avoir des fruits après. Fait qu'on aurait toute la saison de tout cueillette, là. On a même planté du houblon à la demande d'une microbrasserie locale. Il y a même des années où, on avait des melons. Les gens ne croyaient pas que les melons avaient poussé ici. Parce que, ça blaguait un peu en nous disant « Vous avez sûrement pris ça à l'épicerie. » Non, 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 ça a poussé effectivement dans les tunnels ici. En 2017, le Grenier Boréal a remporté le prix Action David Suzuki, qui récompense les projets ayant un impact positif sur l'environnement et les communautés. David Suzuki lui-même est venu le remettre à la coopérative. On était très, très, très heureux, puisque c'était même la première visite de M. Suzuki dans la région de la Côte-Nord. La coopérative est en pleine expansion. On est en train d'agrandir la superficie cultivée et on va bientôt bâtir un nouvel entrepôt.
Les produits sont vendus au kiosque de la ferme, dans les marchés locaux et par le système des paniers achetés à l'avance. Nous, on les appelle les paniers boréales parce qu'il y a des produits maraîchers, mais il y a aussi des produits de fruits, bon, de trucs qui viennent aussi de la forêt boréale. Aujourd'hui, on livre à Havre-Saint-Pierre. On va chez Anthony Cormier, un administrateur de la coopérative particulièrement convaincu de la pertinence du grenier boréal. C'est du chou. Oh, excellent. Je vois qu'on est dans le début de la vague. Fait que c'est essayer de trouver un moyen pour faire grossir cette vague-là puis de la rendre le plus gros qu'on peut pour atteindre le plus de gens possible. Visiblement, les fraises blanches et les ronces arctiques ont du succès. La grosse fraise jaune. Jaune ou blanche? Blanche. Blanche. L'aventure du grenier boréal en est à sa 7e année d'existence. Ça donne envie à certains de développer des jardins communautaires, des projets qui se développent comme ça, tranquillement, un peu, soutenus par le milieu municipal ou que ce soit par des organisations communautaires. Il y a un intérêt de développer ça. Alors, le fait qu'on existe, ça permet aux gens de se projeter puis de se rendre compte que c'est possible, en fait.